Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est le fameux make-up tour, comment pourrait-on dire ça? Vous allez vous immiscer dans mes petits tiroirs de make-up, voir un petit peu où je range mon maquillage. Il est en trois parties, il faut savoir, je préfère vous le dire dès maintenant. Il y a une partie qui est dans ma chambre, une partie un petit peu que j'utilise un petit peu moins. Un meuble qui est entre ma chambre et ma salle de bain que j'utilise vraiment quotidiennement. Et un petit coin dans ma salle de bain avec ce que j'utilise aussi quotidiennement tous les matins, mais pour éviter d'aller dans ma chambre, etc. Voilà, c'est plus pratique. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous immiscer dans mes tiroirs, vous montrer un petit peu la façon dont je range mes tiroirs. Les trois quarts des choses à l'intérieur ont été achetées sur plusieurs années, hein, je préfère vous le dire. C'est ma petite collection, c'est mon petit bonheur à moi. Effectivement, on n'a pas tous ce même style de rangement, on n'a pas tous ce même style de collection, donc je préfère vous le dire maintenant. Mais voilà, moi je suis un peu collectionneuse et en plus voilà, c'est un peu ma passion. Donc ça fait plusieurs années que je cumule, et ça fait plusieurs fois d'ailleurs que je vous fais ce style de vidéo. Je vous mettrai les liens des anciennes vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez aller checker, voir la différence et peut-être trouver d'autres idées. Là, mes rangements à l'intérieur de mon meuble à tiroir sont des rangements que vous trouvez chez Action. J'espère qu'en ce moment encore vous en trouvez. Et sinon, avant ou à certains moments, j'utilisais les boîtes de box que j'avais réutilisées parce que c'est aussi très pratique, hein, ces petites boîtes là. Mais les petits meubles d'Action ont été quand même très sympas. Je suis contente de les avoir trouvés à tout petit prix, hein. Si dès maintenant ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc dans ma chambre, j'ai un petit coin avec ma coiffeuse comme ceci. Elle est comme ceci, c'est la fameuse coiffeuse d'IKEA. Vous l'avez sûrement déjà vu quelque part. En dessous, j'ai deux petits meubles comme ça de chez La Forfou, je crois, à l'époque. Je les ai achetés il y a très longtemps. Et voilà, donc dessus, il y a mes pinceaux, mes parfums, une petite bougie ici Rituals, une petite bougie ici My Jolly Candle, mon fameux miroir que Ella m'a offert de la chaîne Ella Rayon de Soleil, mes pinceaux teints, donc c'est assez trié, et là, il y a mes pinceaux pour les yeux, j'en ai d'autres. Les petites brumes que j'utilise en ce moment, ou par moment, comme ça, celles que Lily m'a offert de chez Emma, enfin voilà, il y a mes petits parfums. Des petits faux ongles quand je les utilise de chez Kiss Impress. Vous avez un peu ce que j'utilise en ce moment, un miroir. Dans mes tiroirs ici j'ai mis tous mes baumes à lèvres. Comme vous pouvez constater, je suis une méga grande fan des Lanolips, donc j'en ai plein. Que des baumes à lèvres ici. Et dans l'autre tiroir, il y a tout ce qui est fossiles. Voilà, je les ai mis ici, comme ça je sais où ils sont. C'est plus simple, c'est plus clair pour moi. Dans le grand tiroir qui est juste en dessous de la coiffeuse, vous avez dû voir dans une vidéo vlog, j'avais tout trié, tout rangé. J'ai mis donc à l'intérieur les petits bacs comme ça de chez Action pour trier, pour ranger. Ici j'ai laissé une petite case spéciale bijoux, donc il y a tous mes petits bijoux. Ici vous avez les, comment on appelle ça, les pigments, oui, les pigments de marque ou pas, hein, il y a MAC et puis il y a d'autres marques. Ici les blushs Benefit qui rentrent très bien, un petit produit Dior comme ça, un petit peu version luxe mais que j'utilise pas spécialement. Et je me suis fait une petite case comme ça spéciale Colourpop. J'ai pas 50 milliards de produits Colourpop mais je suis contente de savoir qu'ils sont tous là. Donc il y a les palettes juste là, les rouges à lèvres et puis ici les fameux petits monos. Ce qui est pas mal avec ces bacs de chez Action, c'est que vous pouvez les enlever. Si vraiment vous avez envie de les utiliser, les emmener, etc., les changer de place, vous pouvez les enlever. Donc voilà pour ce premier grand tiroir. En dessous, ma coiffeuse, vous avez ici tout ce qui est pour les manicures. Là, mes palettes Too Faced, etc. Les palettes qui rentrent pas forcément dans les tiroirs, mais qui sont un peu mes palettes de collection. Là, encore une fois, ça va être du Too Faced avec quelques backups. Donc voilà, Too Faced, Too Faced, Too Faced. Et au niveau backup, j'ai des Fix Plus et des produits pour faire pousser les sourcils. Ici, encore une fois, du Too Faced, hein. C'est vraiment mes tiroirs à Too Faced avec mes palettes que j'utilise assez régulièrement quand même. Ici j'ai mis les palettes Juvia Place et une palette Too Faced qui ne rentre pas dans les autres. Et il y a aussi le backup des mousses, enfin des mousses, des blenders, pardon, je vous dis des bêtises. Voilà, hop, je vais le descendre comme ça sera plus pratique. Donc voilà, là c'est juste celle-ci de Too Faced que j'utilise régulièrement mais qui ne rentre pas dans un autre tiroir. Et vous avez les Juvia Place qui sont là et puis les fameuses... blender comme ça que je dois tester, utiliser pour voir ce que j'en pense. Et sur le côté là vous avez les petits strass à coller sur le visage si vous faites des make-up un peu plus extravagants. Dans le dernier tiroir qui est juste en dessous là, alors il est hyper lourd parce que bah vous voyez il est rempli, ce sont que des vernis. Il y a mes vernis ici que vous voyez là qui sont mes vernis Dior et en dessous c'est les autres marques. Je n'ai pas beaucoup de marques de vernis parce que j'ai fait un gros tri il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment gardé que ceux que j'adorais, c'est-à-dire les Dior. Il y a la marque Essie, la marque Mavala et quelques autres marques, mais vraiment j'en garde pas beaucoup. Par exemple tous les Kiko, je crois que je les ai tous revendus. J'en ai peut-être gardé un ou deux, mais c'est tout.
Et là, entre les deux meubles, vous avez une grande palette Sephora. J'avais eu une soirée spéciale Sephora avec tous les monos qui existent chez Sephora. Donc celle-ci, c'est vraiment the palette d'artistes, entre guillemets, que je garde quand même parce que il y a vraiment toutes les couleurs et tous les finis. Entre ma chambre et ma salle de bain, il y a un petit coin comme ça, voilà, et j'ai posé donc un petit meuble Ikea, le fameux meuble à tiroir comme ça, je crois que c'est le meuble Alex. Donc vous avez une petite étagère de chez Primark avec des bougies, encore une fois, vous savez que je suis une fan de bougies, donc de My Jolly Candle. Sur mon meuble Ikea, du coup j'ai posé mes petits pots avec là les pinceaux Sana que je dois tester prochainement. Ici tout ce qui est mascara que j'utilise assez régulièrement, des petits parfums, les crayons lèvres et les crayons pour les yeux que j'ai. Quelques petites décos, des boules de bain, Lush, etc. Et ici les petits coffrets que j'ai. Donc en ce moment j'utilise beaucoup les Anastasia comme ça que j'ai eu de chez Beauty Bay. Donc je les laisse là comme ça, je les utilise régulièrement. Et ici les masques. Alors j'en ai toute une collection, mais ceux-là c'est ceux que je dois utiliser en priorité. Donc voilà, je les ai mis là comme ça, je sais qu'ils sont à côté de ma salle de bain, prêts à être utilisés. La tétine de mon fils que je dois ranger puisque c'est sa tétine de bébé. Maintenant il est passé à une tétine de grand. On va passer au tiroir. Donc dans le premier tiroir, vous retrouvez tout ce qui est rouge à lèvres. Tout n'est pas là, j'ai quelques rouges à lèvres qui étaient à côté de ma coiffeuse, je vous les ai pas montrés, mais qui sont dans les rangements spécifiques pour ça. Là, j'ai mis ceux que j'ai envie d'utiliser tout de suite régulièrement, voilà, comme ma salle de bain est juste là, bah quand j'ai besoin d'un rouge à lèvres, je cherche là. Ici, j'ai trié tout ce qui était rouge à lèvres gloss, ou en tout cas avec un effet glossy, et ici tout ce qui était rouge à lèvres mat ou avec un effet un petit peu métallique. Ici vous avez les rouges à lèvres un petit peu raisin. Donc je sais que c'est pas hyper pratique parce que les tiroirs ne s'ouvrent pas vraiment jusqu'au bout. Du coup là il y a des rouges à lèvres que je vois pas, mais j'enlève ce bac là, c'est pour ça que j'ai laissé les bacs. J'enlève ce bac blanc et puis je peux tirer pour aller voir les rouges à lèvres qui sont juste là. J'ai trié par marque mes rouges à lèvres. Donc là vous avez des Kiko, ici vous avez la marque Urban Decay, là vous avez tout ce qui est Clinique, là Yves Rocher, ouais, c'est un peu trié par marque et par teinte. Le deuxième tiroir, vous avez cette fois-ci des produits un petit peu plus par marque encore une fois. Ici vous avez tout ce qui est soins bio, je les ai mis là, le make-up bio parce que je les ai pas encore testés, donc je testerai prochainement. Ici vous avez toutes mes palettes Huda Beauty, pardon, avec ici aussi les rouges à lèvres Huda Beauty, ici aussi encore une fois les rouges à lèvres, les crayons pour les lèvres Huda Beauty. Hop, vous les voyez là. J'ai rajouté ça, c'est un démaquillant de chez Sephora pour les lèvres quand vous avez des rouges à lèvres mat. Je le mets là parce que je sais où il est. Les mini Huda Beauty qui sont là. Ici les paillettes, tout ce qui est paillettes Urban Decay, les paillettes de chez Beauty Bay que j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai tout mis ici. Et là vous avez tout ce qui est fard à paupières liquide qui est juste là, avec encore une fois ici quelques petites paillettes, produits un peu, voilà, les petits produits pailletés comme ça pour faire des make-up un peu plus artistiques. Au fond, là, derrière, vous avez tout ce qui est palette Sleek. Je les utilise vraiment pas souvent, donc je les ai mis là-bas. C'est moins pratique à prendre, je l'avoue. Mais il faut bien que j'arrive à ranger tout au même endroit. Encore une fois, là, c'est les rangements de chez Action que j'ai réussi à caser ici dans mon tiroir. Ça rentrait pile poil. J'ai même un petit peu forcé, mais tout va bien. Et j'aime bien parce qu'encore une fois, bah voilà, ça vous permet de faire plusieurs répartitions, plusieurs groupes. Donc là, il y a vraiment principalement du Huda Beauty. Troisième tiroir ici, c'est trié encore une fois par catégorie. Ici vous avez tous mes mascaras que faut que j'utilise là prochainement. En fait c'est les mascaras à utiliser prochainement. Des mini rouges à lèvres ici, W7. Des rouges à lèvres essence je crois. Non, P2 pardon, que j'ai trouvé chez Nose. Donc je les ai mis là pour les utiliser régulièrement. Toutes mes mini palettes, dont les mini palettes Natasha Denona, tout est là. Comme ça je les utilise très souvent quand je, voilà, quand je prends... dans ma salle de bain, paf, je me dis, tiens, je vais prendre celle-ci, paf, paf. C'est assez pratique à utiliser. Là, il y a la boîte de ça, faut que je la jette. Et ici, j'ai mis tout ce qui était mini rouge à lèvres. Moi, vous savez que je suis une grande fan de mini rouge à lèvres, donc j'ai tout mis ici. Marc Jacob, là, c'est les fameux Pat Masgraf. J'arrive pas à le dire, ces noms. Les Kat Von D, vous avez du Nars, enfin, tout ce qui est mini. Et ici, c'est tout ce qui est crayon, fard à paupières que vous pouvez mettre en base avant de faire un make-up ou que vous pouvez utiliser comme ça aussi, hein, seul. Donc là, je les ai tous mis là. Derrière, caché ici, ce sont les crayons pour les lèvres, mes versions un peu rouge à lèvres crayon, vous voyez, les gros crayons à lèvres que j'aime beaucoup vraiment, ici je suis fan. Et là, il y a le Pillow Talk seulement, mais je pense que je vais le revendre prochainement sur Vinted parce que je ne l'aime pas. Le quatrième tiroir, c'est le tiroir spécial Too Faced. Ici, j'ai mis que du Too Faced. Vous avez tout ce qui est rouge à lèvres ici, hein. Que ce soit les Melted Matte, les Melted Latex, les Melted métalliques qui sont là. Ici, vous avez les mini petits gloss là.
des rouges à lèvres aussi en raisin que j'en ai pas beaucoup. Ici encore les mini melted qui sont ici. Et là vous avez le mascara Better Than Sex en mini et deux fards à paupières comme ça un peu liquide que j'aime beaucoup. Les petites palettes qui rentrent ici, hein, les petites palettes que j'ai de chez Too Faced. Ici la trousse avec les pinceaux Too Faced. Ici vous avez les plus grosses palettes, vous savez celle-ci là. Hop. Les palettes Palm Springs que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et en dessous, il y a les palettes de teint. Et là, sur le côté, vous avez tout ce qui est blush et un highlighter. Je crois qu'il y a des highlighters là-dedans. Et le fameux bronzer comme ça, Sweetie Pie. Voilà, tout est Too Faced dans ce tiroir-là. Le tiroir suivant est un tiroir spécial palette avec donc mes palettes Too Faced. Hein, pour rester dans la même continuité, les glitters, les chocolate bars, etc. Toutes les palettes Too Faced sont là au niveau des palettes qui rentrent dans ce genre de tiroir. Vous avez ici toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Maintenant, j'ai quasi toute la collection avec la dernière qui est juste ici, qui rentre. Hein, mais là, j'ai plus de place, donc voilà. Au fond, vous avez les palettes toutes celles de chez Urban Decay. Quelques palettes ici de chez Makeup Revolution. Là, il y a une palette Essence, une palette NARS et une palette Sephora, donc avec tout type de marque. Il y avait de la place parce qu'ici il y avait toutes mes palettes Zoeva, mais j'ai décidé de toutes les revendre encore une fois. Ça, retrouvez-moi sur Facebook. Le tiroir encore de palettes, ici il est un peu plus gros parce qu'il est plus haut. Donc vous avez les palettes Natasha Denona, les grandes palettes comme ça qui sont plus hautes avec la Metropolis, les Natasha Denona, mes versions la Love Palette et la Sunset Palette, les Huda Beauty qui sont toutes là. Les Sana, Sananas avec Sephora. Ici vous avez les palettes carrées comme ça de chez Essence, de chez Makeup Revolution, Milani. Bon après si vous voulez des détails sur certaines palettes, n'hésitez pas à me dire. Ici vous avez les Sponjac, Julicious, Tarte. J'en ai quelques-unes de Tarte. Là c'est du Marc Jacob ici. Et là vous avez, je crois que c'est du Urban Decay ici, mais elle ne rentrait pas sur celle du dessus. Et du Root Cosmetics juste ici. Bon il y a un peu toute marque ici, c'est juste au niveau du format. Le tiroir suivant, ce sont mes réserves, entre guillemets. Entre guillemets, je dis bien. Ce sont vraiment les cases un peu pour le teint. Là, cette fois-ci, c'est des boîtes comme ceci que j'avais récupérées, je ne sais plus où. Et là, vous avez tout ce qui est enlumineur, tout ce qui est blush. Ici, tout ce qui est pour les sourcils, donc tout ce qui est produit sourcils. Il y a des produits neufs, des produits déjà utilisés. Pour les sourcils, c'est quasi neuf. Il y a juste une palette de teint, là, Dior, qui ne rentre pas ici. Donc voilà, je l'ai laissé là. Sinon ici tout ce qui est blush, enlumineur, c'est déjà testé au moins une fois. Et là c'est tout ce qui est bronzer. J'ai fait du tri dans mes bronzers, ça se voit. Hein. Et là c'est tout ce qui est petite palette où ça mélange enlumineur et bronzer par exemple. Donc je les ai mis sur les côtés. Les petites palettes de chez Makeup Revolution. Il y a Makeup Revolution encore. Là il y a du Essence. Voilà, c'est tout ce qui est palette. En tout cas palette pour le teint qui sont sur le bord là et qui sont petites parce que j'en ai des plus grandes qui sont dans ma salle de bain. En tout cas là voilà, blush, vous avez toutes les marques hein, du Clinique, du Tarte, du BK, du Milani, etc. J'essaie de faire sonner régulièrement pour me refaire un avis sur les produits, puis après maintenant dès que j'ai retesté et que ça ne me plaît pas, je vends. Et l'avant-dernier tiroir, ce sont aussi encore une fois les mêmes styles de cases que vous pouvez soulever et prendre. Cette fois-ci c'est pour le teint. Là vous avez tout ce qui est fond de teint. Là, tout ce qui est poudre pour le teint. Là, vous avez anti-cerne et une petite poudre By Terry en backup. Et là, c'est tout ce qui est réserve de mascara. Donc, j'en ai vraiment un paquet, c'est abusé, hein, faut le dire. Mais ça date de quelques années maintenant. Et voilà, les mascaras qui sont complètement neufs, pas du tout ouverts. Ici, vous avez des produits encore pour le teint qui sont en backup. Dernier tiroir, c'est tout ce qui est trousse et mes accessoires pour les cheveux, mon lisseur. Là, il y a quelques paillettes parce que je sais pas où les ranger. Et le fameux gant pour nettoyer mes pinceaux. Et les savons aussi pour nettoyer le pinceau. Enfin voilà, toutes mes petites bidouilles sont là. Donc la dernière partie se trouve dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain, il y a tout ce qui est routine soin. Vous avez dans mon placard tout ce qui est soin. Donc mes soins du visage, etc. Mais vous avez une petite partie ici pour le make-up avec ce que j'utilise tous les jours. Parce que c'est plus pratique quand même de se maquiller dans la salle de bain tous les matins à 6h30, hein, faut le dire. Donc là, il y a tout ce qui est en ce moment ce que j'utilise au niveau du teint. Donc c'est pour ça que je vais vous parler maintenant dans des futures vidéos de mes routines teint, ma petite rotation de maquillage. Donc là, c'est tout ce que j'utilise en ce moment. Et puis voilà. Quand je les utilise plus, je les range dans mes tiroirs et je change avec d'autres. Donc là vous avez tout ce qui est de teint pour fixer mon maquillage, le fixateur voilà, il est là, Tarte. Là vous avez des palettes de teint encore une fois avec une petite palette essence que j'utilise en ce moment. Voilà, j'essaie de faire tourner mon maquillage, je les mets là, comme ça c'est fermé, c'est protégé. Les rouges à lèvres que j'aime bien utiliser en ce moment, un petit peu baume à lèvres. Voilà, vous avez à peu près tout ici. C'est vraiment la dernière petite case pour le quotidien qui est fermée, donc qui est protégé de l'humidité. Et toujours dans ma salle de bain, il y a des petits pots comme ça avec mes pinceaux que j'utilise au quotidien. Alors,
Qu'en avez-vous pensé? J'ai hâte de vous lire en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous, si vous avez d'autres idées à me partager, parce que moi je suis pas non plus, je suis pas toutes les idées hein, au monde. J'ai essayé de faire en fonction de ma maison, en fonction de ma petite collection. J'essaie de trier régulièrement, et ça vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, sur Vinted, avec mon pseudo Karine Miss Boop, et aussi sur Facebook. Je fais des ventes régulièrement, souvent les dimanches. Je préviens en avance pour histoire que vous soyez là. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller me checker là-bas si vous le voulez. Je préviens aussi sur Instagram, évidemment. Je vous préviens un petit peu quand je vais mettre des choses en vente, comme ça bah, vous pouvez être à l'affût. Mais c'est vrai que régulièrement je fais du tri. Je le fais pas forcément en vidéo parce que c'est une galère à faire en vidéo, il faut le dire. Mais je fais du tri régulièrement. Si vous voulez en revanche que je fasse du tri en vidéo, pas forcément les palettes parce que j'ai déjà fait le tri de mes palettes, je vous remets la vidéo dans le petit. Mais peut-être le tri, imaginons, de mes fonds de teint, ou le tri, je sais pas, de mes blushs, ou le tri de mes crayons, j'en sais rien. Si vous avez une idée comme ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et j'essaierai de la faire. Et en tout cas, ben voilà, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire, de vous retrouver en commentaire. Sinon, vous avez d'autres vidéos disponibles sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, on like et on s'abonne. Salut, salut !